À presque 9 mois de son ouverture officielle et après 11 mois de travaux, l'Arena, la salle multifonction de Montpellier, a ouvert ses portes pour la première fois au public. Du 1er au 3 décembre dernier, la 24e édition du Cité Vie prenait ses quartiers sur le site du Parc des Expositions de Montpellier. 60 000 m² d'exposition pour ce salon international professionnel, dont 10 000 m² au cœur de l'Arena. Une ouverture temporaire qui a suscité l'émotion chez les visiteurs. Déjà, ça fait beaucoup plus grand, quoi. J'étais assez impressionné, quoi. C'est vraiment gigantesque, immense. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de place, ça c'est pas mal, quoi. C'est très impressionnant quand même, quand on rentre pour la première fois. Ça va être assez grandiose. Je crois qu'il manquait ça à Montpellier. Écoutez, ce matin après l'inauguration du Cité Vie, je suis venu ici avec Georges Frêche et j'avoue que c'est pas sans une certaine émotion que j'ai parcouru ces allées avec lui et de voir cet équipement alors que sur ce site il y a 11 mois il n'y avait rien et aujourd'hui il y a un bâtiment de 15 000 m² qui est hors d'eau, hors d'air, c'est assez exceptionnel. Le Cité Vie a accueilli plus de 44 500 visiteurs en seulement 3 jours. Pour cela, il a fallu réaliser un sol provisoire, tapis enrobé qui sera décapé dans les prochains jours, puis recyclé. Ses premiers pas dans l'aréna laissent d'ores et déjà entrevoir de belles perspectives. De construire un équipement multifonction, ça permet de le rentabiliser au maximum, d'avoir une occupation maximale. Cet équipement va permettre d'accueillir des salons. Ça nous permettra d'avoir des événements sportifs, des spectacles, des congrès, des conventions d'entreprise, etc. À la fois du culturel et de l'économique, donc une rentabilité maximum, donc une utilisation maximale des deniers publics. Un modèle économique d'avant-garde où le sponsoring prend toute sa place. Le nom de l'Arena pourrait donc se coupler à une marque prestigieuse. C'est le principe du naming. Le naming, c'est un beau sujet dans un pays comme la France. Le naming, vous savez, c'est quelque chose qui est courant et développé aux États-Unis depuis de très nombreuses années. Et puis, malheureusement souvent, la France est un peu à la traîne. Et le naming, c'est tout simplement de donner à une société privée la possibilité de gagner une grosse visibilité au travers d'un équipement prestigieux de cette nature. Et donc, voilà, de donner son nom à une salle, moyennant un accord, un contrat qui permet à l'équipement d'avoir des financements privés pour réaliser l'ensemble des événements qu'il souhaite réaliser. Premier pari remporté pour l'Arena, les derniers visiteurs partis, le rideau se referme. Place au balai des équipes œuvrant sur le chantier pour les travaux intérieurs de finition. Dimanche, il n'y aura plus rien dans cette Arena et dès lundi matin, on va continuer ce chantier. Dans 6 mois, nous la réceptionnerons et en septembre 2010, nous l'inaugurerons et j'espère que nous l'inaugurerons en grande pompe avec un grand spectacle, avec un bel événement sportif, enfin avec plein de surprises que nous vous réservons et dont nous vous confierons le détail dans les mois qui viennent.